Va-t-on vers une décrispation du climat politique au Togo? C'est en tout cas l'impression que donne Faure Gnassingbé, reçue par son homologue ivoirien lundi à Abidjan. Le chef de l'État togolais a promis de dialoguer avec ses rivaux qui manifestent depuis des mois, principalement pour demander sa démission. Les situations, quelles que soient les évolutions, tout doit se terminer par le dialogue. Et ce dialogue est en cours de préparation. Pour dialoguer, il faut être deux. Donc ma seule voix ne suffit pas. Les tractations sont en cours. Je pense que d'ici quelques semaines, ce dialogue pourra s'ouvrir. Selon la presse togolaise, Tipi Achadam, le leader à l'origine des manifestations depuis trois mois, rencontre ce mardi à Paris le président en exercice de l'Union africaine, Alpha Condé. Ce dernier veut aussi se poser en médiateur pour trouver des solutions à la crise politique togolaise. L'opposition togolaise s'est montrée ouverte mais très prudente à l'idée de dialoguer avec le pouvoir. Elle se mobilise depuis plusieurs mois au Togo pour réclamer des réformes institutionnelles en profondeur et surtout le départ de Faure Gnassingbé, héritier d'une famille au pouvoir depuis plus de 50 ans.